L'Ordre des experts comptables est présent au salon afin de rencontrer les élus. La présence de l'Ordre des experts comptables se manifeste par plusieurs actions. La première d'entre elles est d'assurer des consultations gratuites afin de permettre aux élus de poser des questions et des cas concrets qui vont être examinés par des experts comptables spécialistes. La deuxième manifestation est les cybercafés, qui sont des mini-ateliers autour de thèmes qui intéressent les élus. Comment gérer son budget, le mécénat, comment établir des comptes, etc. En tout cas, toutes les thématiques qui peuvent intéresser les élus. C'est tout ce qui vise à favoriser, à améliorer les activités dites œuvres sociales, c'est-à-dire extra-professionnelles, activités de sport, de loisirs, de culture, de détente. En fait, c'est pour améliorer les conditions de vie du salarié autrement que sur le plan financier. Un des grands événements, c'est la table ronde sur le dialogue social et comment l'expert comptable peut être un facilitateur du dialogue social. Cette table ronde aborde également les nouvelles dispositions apportées par l'accord national interprofessionnel de janvier 2013. Cette table ronde a vu la présence de plusieurs élus, représentants de syndicats, avocats, experts comptables, et a donné lieu à des échanges intéressants afin de montrer la présence de l'expert comptable au cœur de l'actualité et auprès des élus des comités d'entreprise. Ça favorise énormément le dialogue social parce que ça permet d'informer les salariés sur leurs droits et leurs obligations, bien entendu, et ce qui permet un rapprochement avec la direction. J'interviens souvent pour les comités d'entreprise pour leur expliquer l'intelligence des comptes, pour les aider à mieux comprendre comment ça se passe et les rapprocher plus des chefs d'entreprise. Et comment, bien sûr, dialoguer avec la direction. Le dialogue social suppose qu'il y ait deux parties à minima prenantes qui sont les salariés et la direction. Et en règle générale, en fonction de la taille des entreprises, le dialogue, comme je vous le disais tout à l'heure, peut être bon, c'est-à-dire avec de véritables échanges, avec un véritable partage d'informations, ou au contraire, être plus difficile, surtout lorsqu'il y a des questions de restructuration, de PSE, ainsi de suite. Là, il est très difficile de parler de dialogue social quand les emplois sont en jeu. L'expert comptable est un intervenant extérieur qui est neutre. Et donc ça permet un peu de dénouer des situations difficiles et il sert un peu de passerelle entre les élus et la direction dans des entreprises où il peut y avoir des conflits par exemple. Lundi après-midi, on se voit, j'amène les dossiers de l'expert comptable et on fait le travail. Il faut prévoir un petit peu le mardi matin ou le mardi après-midi, le 9. Enfin, les experts comptables savent montrer qu'ils ont aussi du cœur. Il continue de soutenir l'association des Petits Princes. Cette association aide les enfants gravement malades à réaliser leur rêve. L'Ordre des experts comptables est heureux de participer à un grand concert qui sera organisé au bénéfice de cette association.